Coucou Patricia! Est-ce que c'est bon? Ça y est, c'est bon, ça fonctionne? Ah, ouf! Bonjour, bonjour tout le monde. Je recommence à zéro. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes en forme. Facebook est un peu compliqué en ce moment pour beaucoup d'entre nous. J'en ai peur. Est-ce que ça y est? Oui, ça a l'air d'être bon. Ça a l'air d'être revenu pour tout le monde. J'ai rien changé à mes paramètres de logiciel, donc il n'y avait pas de raison que ça bug. C'est magnifique. Bonjour tout le monde. Je vois que vous êtes bien là. Oui, moi aussi, Louise, je te fais des gros gros bisous, ma bichette. J'espère que tu vas faire une jolie boîte. Faudra me montrer aussi tout à l'heure. Hein. Super, je vois que mes chippies sont là. Coucou Isa, bonjour Fatou. Ah, j'en ai salué déjà plein au début, mais vous m'avez pas entendu, je suis désolée. Bonjour Patricia. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour ce nouveau live créatif, le live 77. J'ai du mal à les prononcer, ces chiffres, c'est incroyable. Ah, coucou Muriel, j'espère que tu vas bien. Alors désolé pour ce petit bug de démarrage, mais bon, vous n'êtes pas sans savoir que Facebook a eu pas mal de soucis ces derniers jours. Avec plaisir, ma petite Louise. Donc voilà, on galère un peu. Mais bon, là, pour le coup, ça a l'air de fonctionner. Donc, on va croiser les doigts pour que ça tienne jusqu'à la fin du live. Pour celles et ceux qui nous rejoignent pour la première fois, tout d'abord, je vous souhaite la bienvenue. J'espère que vous allez passer un bon moment parmi toute l'équipe des fidèles habitués et puis un petit peu avec moi aussi. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas si vous voulez, s'il vous plaît, à la partager sur vos murs, dans vos groupes. Attention, pas sur les groupes hein, de mes collègues, s'il vous plaît. Et puis donc si vous êtes nouveau ou nouvelle aujourd'hui, n'hésitez pas à me faire un petit coucou dans les commentaires, ça me fera super plaisir de pouvoir vous accueillir correctement en tout cas. Pour les nouveaux, je suis Harmonie Marais, je suis démonstratrice chez Stampin' Up depuis janvier 2020. J'en ai fait depuis quelques mois mon métier principal, un grand grand changement de vie et je m'éclate. En fait, j'ai enfin trouvé ma voie. Il était temps, vous me direz, à 38 ans. Hein. Ma petite marotine, oui, ma bichette, je vais très bien. Je vais beaucoup mieux. Je suis en forme. J'écoute les conseils prodigués par mes chippies. Donc tout va bien. Oui, tout va très très bien. Je te remercie. Ah, alors. Quelques petites infos cette semaine. Vous avez l'habitude, je vous donne un petit peu les infos qui se passent, soit organisées par moi-même, soit proposées donc par Stampin' Up. Merci, ma Cathy. Oui, Camille, je te l'accorde, mieux vaut tard que jamais. On est d'accord. Bonjour, Rachel. Rachel, je crois que je t'ai envoyé un petit SMS. Il faudrait que tu me répondes, s'il te plaît, ma belle. Alors, qu'est-ce qui se passe en ce moment chez Stampin' Up? Et avec Harmony Scrap, donc Harmony moi-même. Aujourd'hui, je vous en ai parlé déjà, il y a un nouveau kit, enfin plutôt deux nouveaux kits qui sont sortis et qui sont trop cool. Je les ai commandés, enfin je les ai commandés, j'attends de les recevoir puisque cette fois j'y ai accès en même temps que vous. Donc pour faire des super étiquettes de cadeaux de Noël, elles sont trop belles, toutes colorées et tout avec des jolis Père Noël, vous avez vu. Et puis encore une fois, c'est des kits, donc pour le premier là, kit d'étiquette, avec des tampons, avec un bloc acrylique, un Stampin' Pot, Spot, j'ai du mal à le dire. Voilà. Et tout ça pour 23 euros. Donc c'est quand même le top. Les personnes à qui j'ai fait tester les kits à la maison en atelier ont été bluffées par la qualité et le contenu, et le rapport qualité-prix de ces kits. Donc surtout, n'hésitez pas, c'est vraiment une super opportunité. Et puis, bah, on a les petits sachets de friandises aussi pour remplir de bonbons ou de petits gâteaux ou petits sablés aussi à Noël, s'il y en a qui sont amateurs ou amatrices de confection de petits sablés maison. On adore ça à la maison. C'est toujours, quand on les fait, on passe plus de temps à les faire qu'à les manger. Hein. C'est redoutable. Alors, je reprends vos commentaires 2 petites secondes. Coucou Nadine, coucou ma Mumu, je t'ai pas salué ma belle.
Non, mais je ne fais pas un tremblement. Hein. Double tendinite, Laurence. Bah, dis donc, tu les enchaînes, ma bichette. Alors, cool, hein. Ok. Cathy, je fais le live avec ma fille. Si Sandrine n'est pas là, est-ce que quelqu'un peut prendre la relève pour les mesures? Non, Sandrine ne sera pas là aujourd'hui. Elle vous fait des gros bisous. Elle pense très fort à vous. Les mesures, oui, pour si quelqu'un veut les remettre en commentaire, avec plaisir. J'ai déjà une idée de qui va le faire. Et puis sinon, je vous les afficherai à l'image comme d'habitude. Ne vous inquiétez pas. Alors, je continue. Vous le savez, j'ai lancé donc au mois de septembre deux nouveaux clubs. Donc un qui existait plus ou moins déjà, mais que j'ai fait en version améliorée. Et je vous parle aujourd'hui donc du club des Blends. Je vous propose un club de 5 personnes. Voilà. 44 euros par mois hors frais de port. Chaque mois, une de ces 5 personnes est désignée hôtesse, c'est un terme qu'on utilise chez nous, Stampin' Up. Ça permet, en fait, c'est la personne qui bénéficie des primes créatives lorsqu'il y a des commandes groupées. Et donc, chaque mois, une personne bénéficiera de 22 euros de cadeaux à choisir dans les catalogues en vigueur. Muriel, je m'en doutais. Pas de souci, Rachel. Bonjour, maman. Donc ça c'est pour le club des Blends. N'hésitez pas à vous inscrire sur harmoniescrap.fr. Ah bonjour Françoise, bienvenue. Je vois que vous êtes une petite nouvelle. J'espère que vous passerez un bon moment parmi nous. Bienvenue à vous Françoise. Coucou Delphine, ça va ma belle? Pour ceux qui hésitent, il faut vous lancer, ils sont top. Ah oui, Émilie vous conseille de vous lancer dans le club des Blends. C'est vrai que les Blends sont extraordinaires. Le second club que je vous propose, c'est le club des Unis, le fer de lance de Stampin' Up, la coordination des couleurs. Donc là encore une fois, un club de 5 personnes pour pouvoir acquérir tranquillement les pâtes d'encre, les papiers de couleurs unis coordonnées et pour les plus gourmands ou gourmandes, le papier DSP coordonné. Chaque mois, même principe. Un hôte ou une hôtesse sera désigné et cette fois aura la chance de bénéficier de 25 euros de cadeaux dans les catalogues en vigueur. Voilà, j'espère que ces clubs vous plaisent. Et petit spoil d'ici ce week-end, je lance ce week-end, donc dimanche, je lance les inscriptions pour mon tout premier kit du calendrier de l'Avent. Voilà, un format un petit peu original, vous verrez, j'espère qu'il vous plaira. Donc restez vigilantes dimanche, vous recevrez donc une newsletter pour celles qui m'ont transmis leurs coordonnées. Et puis sinon, vous verrez bien sûr sur ma page Facebook ou sur mon blog. Je croise les doigts pour que ça vous plaise en tout cas. Qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire? Eh bien oui, le coin des bonnes affaires aussi aujourd'hui. Quelques produits ont été rajoutés à des prix relativement intéressants, moins 60% pour certains d'entre eux. Donc allez y jeter un petit œil si vous avez envie. Je vous ai mis le lien donc vers ma boutique dans la publication de la vidéo là, mais vous avez aussi le lien direct vers les kits dont je vous ai parlé tout à l'heure si vous voulez les découvrir. Et je vous rappelle que j'ai lancé quelque chose la semaine dernière. Je vous ai expliqué que d'habitude je publiais une troisième version pour vous inspirer, mais je vous ai expliqué aussi que vous aussi vous m'inspiriez beaucoup et du coup. Pour cela, je vous propose à chacun des lives que pour une fois, ce soit vous qui m'inspiriez et qui inspiriez les autres. Pour cela, je vous invite à poster votre création du live dans les commentaires sous la vidéo du live. Vous avez jusqu'à jeudi soir pour la publier. Et de ce fait, je vous offrirai en fait une de mes deux créations, vous la choisirez, je ferai un tirage au sort. Donc je récapitule, vous faites la création aujourd'hui ou demain, vous la postez en commentaire sous le live jusqu'à jeudi soir, et ensuite vendredi, je fais un tirage au sort parmi les participations, et j'offrirai une des deux créations que j'aurai faites, soit celle de présentation, soit celle que j'aurai faite en live avec vous. Voilà. Ça vous permet de nous inspirer vous aussi, puisque vous êtes vous aussi mon inspiration, et c'est toujours intéressant de voir le travail de chacune et de chacun. Donc surtout, n'ayez pas peur, faites-vous confiance et partagez avec les autres, vos créations. N'oubliez pas dans la publication d'ajouter le hashtag HarmonyScrap, ça me permet d'être notifié. D'accord?
Le papier et les tampons, c'est lequel pour le calendrier? Oh, Marotine, tu es une petite curieuse. Tu iras voir sur les VIP. Oh, Mumu! Bon, bah voilà. Il n'y a plus de surprise. Oui, c'est Laurence Klima qui a gagné la semaine dernière et je lui ai envoyé la carte Pop-up Halloween. Voilà. Alors, coucou Maddy, comment ça va? Alors, Maddy, je suis désolée, mais je crois que tu te trompes de live. Tu n'es pas chez Hello Stamp, tu es chez Harmony Scrap, mais je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui. J'espère que tu passeras un bon moment. Avec plaisir, Laurence. Je ne sais pas si tu l'as reçu, du coup, j'espère que oui. Allez, je vous propose que l'on démarre ce projet, quelque chose de très simple. Et d'ailleurs, je pense à la petite Louise qui va réaliser aussi le projet. Tu vas voir, c'est super simple à faire. Et puis, maman est avec toi, donc il n'y aura aucun problème, j'en suis sûre. Faudra poster ta création aussi, Louise, hein. Faudra pas hésiter, hein. Laurence, c'est parti en début de semaine, alors du coup, ça devrait pas tarder. Voilà la petite boîte que je vous propose de faire. On a l'impression en fait que c'est un petit livre. Du coup, vous pouvez aussi vous amuser à la détourner, hein, il n'y a aucun problème. Elle tient dans ma main. J'ai ajouté un petit ruban. Et elle s'ouvre. Hop, comme ceci. Voilà. Donc une petite boîte. J'ai rajouté mon petit sentiment à l'intérieur. Voilà, une petite boîte vraiment toute choupinou et vraiment toute simple. J'essaye de vous zoomer, j'ai beaucoup de lumière. Coucou Karine, ça va ma belle? Voilà cette petite boîte qu'on va réaliser aujourd'hui. Pour celles et ceux qui connaissent bien Stampin' Up. Aucun problème, m'a dit avec grand plaisir. Maman et Cathy, vous allez arrêter de parler de ces photos, hein? Ça suffit maintenant. Je suis ravie de t'accueillir, m'a dit. Vraiment un grand plaisir. Donc, je disais, pour celles et ceux qui connaissent bien Stampin' Up, vous connaissez déjà cette collection qui s'appelle Terre en beauté, n'est-ce pas? Vraiment une trop trop belle collection. Je vais vous montrer les papiers. Voilà. Donc vous les trouverez à la page 10. Ça vous fait rire, hein? Je vois plein de smileys qui rigolent, qui se baladent sur mon écran. Au secours! Page 10 de votre catalogue annuel, c'est du papier en 30-30, recto verso. Vous avez les présentations ici. Et toutes les couleurs unies, donc il y a vraiment un large choix de couleurs unies qu'on peut adapter avec ces papiers qui sont vraiment magnifiques. Je l'ai découverte en fait, cette collection. Je n'avais pas forcément eu de coup de cœur au départ quand je l'ai vue. Et puis maintenant que j'ai commencé à travailler avec, j'ai du mal à m'en passer. Alors, Beaubourdon, cidre à la cannelle. Non, Beaubourdon, bleu nuit, cidre à la cannelle. Couleur café, feuillage sauvage, merlot magique, mystérieuse brume, ocre roussillon et vert olive. Oui, ma petite Laetitia, t'as tout compris. Je suis contente qu'elle soit arrivée, ma belle. Voilà cette fameuse collection. Et puis, bien sûr, vous le savez, des tampons coordonnés. Bien sûr. Donc les sentiments, vous voyez, sont en français. On a des polices d'écriture un petit peu différentes qui sont très très sympas. De quoi faire des magnifiques arbres, feuillages incroyables. Et évidemment, nous avons les poinçons coordonnés. Donc vous imaginez un petit peu ce qu'on peut faire de magnifique avec tout ça, n'est-ce pas? Voilà. Alors aujourd'hui, on repart un petit peu à Noël. Hein, parce que du coup, il faut un petit peu prévoir tout ça, on est d'accord, hein? Et pour cela, je me suis lancée dans la collection pain d'épices et bonbons que je n'avais pas encore utilisée, justement. Donc, je me suis dit qu'aujourd'hui, j'allais travailler avec elle. Je vais travailler donc avec les papiers design. Il y en a beaucoup, c'est au format 15-15. Et là, on est sur le mini catalogue août-décembre. Ça va être trop sympa, on en mangerait de ces petits trucs, hein. Vraiment, pain d'épices, c'est top. Page 9 de votre catalogue, on est en format 15-15. Les papiers unis coordonnées rouge-rouge, vert-olive, couleur café et cidre à la cannelle. Vraiment, trop beau.
Il y en a deux qui sont en train de s'amuser, là, Cathy et Catherine, hein, du coup, parce que Cathy, ma maman, s'appelle Catherine, et qui en sont en train de s'amuser sur la publication d'une possible photo de moi quand j'étais petite. Donc voilà, elles se font plaisir. Moi, ça va me faire un peu moins rire, par contre. Donc voilà cette collection. Hop, oui, ma rétine, elle est belle, hein. Et puis avec elle, on a un lot, en fait, de plein de petites cartes qui peuvent être utilisées pour des cartes ou, vous le voyez, pour des livres de recettes, comme des cartes postales. Voilà, on a plein, plein de jolies choses. On a aussi des embellissements autocollants. Hop. Voilà, tout ça, c'est des embellissements qui sont autocollants, donc c'est génial en termes de gain de temps, c'est super joli. Mais tu veux que je t'aide à quoi? Je vais pas publier la photo, je suis en train de travailler là. Oui, il est vraiment super sympa ce petit lot. Et du coup, on a aussi, ah, pas tant que ça, hein, pas si dur que ça, Martine. D'autres petites cartes en version un peu plus réduite, en recto verso, toujours dans les mêmes couleurs, hein, bien sûr que la collection. On a aussi ces petites choses là qui sont très sympas. On peut imaginer d'y accrocher des petits couverts, par exemple. Vraiment très sympa. Donc voilà, c'est avec ça que je vais travailler aujourd'hui. J'ai préparé mes découpes. Non, 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 je vais pas la partager maintenant. D'abord, je peux pas, ça va vous faire tout planter. Je vous jure. Alors c'est parti. Hop, je prends mes papiers, je vous affiche. Donc ici les mesures. Isa, normalement, les sous-titres, je les ai enclenchés, donc ça devrait aller. Ok. Et donc c'est parti. Ici, j'ai un papier de 14 par 11,4 pour la structure de ma boîte. D'accord? Donc ça, c'est la structure de la boîte 14 par 11,4. Je vais mettre mes embellissements de côté. Ensuite, et donc là, je suis sur du papier pas liège. J'ai oublié le nom. Ça va me revenir, vous inquiétez pas. Mais vous avez vu. Donc ça, c'est la structure de ma boîte, c'est ma petite boîte. Ici, j'ai l'entourage de la boîte qui mesure 17,8 par 10,2. On va y faire deux plis, vous allez voir, c'est très simple. OK? Et puis après, vous avez toutes les mesures ici. D'ailleurs, je constate que vous n'avez pas tout correctement. Il en manque en bas, vous voyez, elles sont cachées. Ah, voilà. Donc je disais ici, vous avez les mesures pour les papiers de mattage. Oui, craft, merci les filles. C'est ça du papier craft. Le papier de mattage ici et en dessous, le papier design. Merci Mumu. Je me doutais que tu le ferais. Merci beaucoup. OK. Et puis après, là, tous les papiers design, je vais les mettre au fur et à mesure. Vous allez voir, il n'y a pas de souci. Alors, je prends donc mon papier craft 14 par 11,4 et je vais venir y faire quelques plis. Je vais vous montrer. L'union fait la force. Oui, je suis bien d'accord. Voilà le schéma. Donc vous voyez, tout bêtement, on va faire des plis à 2,5 sur les quatre côtés de notre papier de 11,4 par 14 cm. OK. Et puis on va venir simplement créer des petites languettes. Donc vraiment, rien de compliqué. Donc je répète, on fait des plis à 2,5 sur les quatre côtés de notre papier qui mesure 14 par 11,4. OK, c'est bon pour vous? Allez, on se lance. Vous allez voir, hein, c'est vraiment hyper simple. C'est un projet super simple que les enfants peuvent faire avec vous. Vous pouvez penser à les préparer pour les vacances, par exemple, ou même les faire pour Halloween, ou pour la future déco de table de Noël, ou pour occuper les enfants, c'est top. Je bois une petite gorgée d'eau parce que, comme à chaque fois, c'est compliqué. Alors, ça y est, elles se sont envoyées la photo. J'y crois pas. Je prends mon papier, donc la structure de ma boîte, 14 par 11,4. Et je viens faire des plis à 2,5 sur les quatre côtés. Vous le savez, j'aime bien
quand c'est des petites mesures, utilisez les mesures de droite parce que je suis droitière. Voilà. Et simplement, je retourne et je fais ça sur les quatre côtés à 2,5. Hop. Voilà. Je pédale en même temps. Ouais, t'as raison, je pédale en même temps, Mému. Ah, j'ai déjà fait ce pli-là. Ok. Donc là, ça y est. Hop, mes 4 plis à 2,5 sont faits. Voilà, voilà, voilà. Hop, et je vais venir faire les découpes après. Tant que j'ai mon coupe-papier, je vais faire les plis de l'entourage. Comme ça, après, on pourra passer au ciseau et à la colle. Pour celles et ceux qui nous rejoignent à l'instant, je vous rappelle que l'on fait une petite boîte cadeau qui ressemble un petit peu à un livre dans lequel on peut cacher plein de choses. On peut même imaginer de créer un mini-album ou mettre des petites sucreries dedans. Ok ? Je prends donc l'entourage de ma boîte. Ici, je suis partie sur du rouge-rouge, 17,8 par 10,2. Et je viens sur le bord long faire deux plis à 7,6 et 10,2. Ça marche ? 7,6, 10,2. Donc, je reprends mon papier, 17,8 par 10,2. Je fais un pli à 7,6. Et un second, hop, à 10,2. Voilà, voilà. Je mets mon coupe-papier de côté. Je prends mon plioir. Je viens marquer les plis de mon entourage. Hop. Voilà, donc ça, une base hyper simple. Ok, vous voyez. Si vous le souhaitez, si vous avez ce qu'il faut, vous pouvez arrondir ici vos angles avec une perforatrice, tout simplement. J'aime bien ce petit côté adouci que permet cette perforatrice. Donc, tout simplement, je viens arrondir, hop, les angles de mon entourage. Voilà. Hop. Voilà. Si vous le faites sur votre entourage, pensez à le faire par la suite sur votre papier de matage et sur vos papiers design. D'accord? Pour qu'il y ait bien sûr une uniformisation entre les deux. Vous voyez, là j'ai bien arrondi mon papier de matage et mon papier design ici. Ok? Voilà. Alors, maintenant, je reprends donc mon papier craft pour ma base de boîte et tout simplement, je viens créer des languettes. Hop, je vous mets le schéma à l'image. L'entourage, ma petite maretine, fait 17,8 par 10,2. C'est la première ici. Allez, c'est parti. Je viens créer mes languettes en biseautant donc à chaque fois pour que ce soit plus joli au moment où je vais l'assembler et la coller. Voilà, je fais un petit quart de tour à chaque fois. Ça va, vous arrivez à suivre? Louise, tu t'en sors ma bichette? Ça va, c'est pas trop dur? Bon, avec les bêtises de ta maman là qui est en train de te montrer les photos de moi quand j'étais petite, tu dois pas être très concentrée. Hop, voilà. Comme ceci. Je vous cache peut-être un peu trop le schéma. Voilà. Donc ne vous inquiétez pas, vous le savez. Ou peut-être pas d'ailleurs, puisqu'il y en a qui nous rejoignent pour la première fois. L'après-midi même ou le lendemain, je publie sur mon blog le replay vidéo de ce live, la fiche technique, avec bien sûr les schémas, les mesures, etc., les photos,
et la liste des produits, du matériel Stampin' Up! Que j'ai utilisé pour réaliser chacun des projets. Voilà, ma petite boîte est faite. Hop. Et voilà, il suffit simplement maintenant de venir coller mes languettes. Ça marche? Vous avez vu, c'est tout simple. Donc c'est parti, je viens coller ça. Hop. Si vous voulez faire comme moi, donc sur ma première boîte ici, et inclure un sentiment à l'intérieur, pensez à le faire avant de coller vos petites languettes. D'accord? Moi, sur le papier craft, là, je pensais que non. Voilà. Je fais des infidélités à Stampin' Up! Parce que j'attends mon réassort de commande. Et mon petit livreur n'est pas passé encore. Voilà. J'ai fait les quatre. J'ai fait les quatre. Voilà. Donc là, ma petite boîte est montée. Hop, voilà, ça colle pas, c'est magnifique. Voilà, eh ben non, hein. Ça veut pas. C'est quand même fou. Allez, sois gentil. Oh là là, comment dirais-je? Les marabouts se lâchent à fond la caisse. Bloqué. Laetitia, ouais, je suis bien d'accord. Je te jure, c'est insupportable. Je ne comprends pas. Je ne sais pas si mes collègues ont le même souci, mais alors moi en ce moment, c'est infernal. Chacun de mes lives est littéralement pollué par ces imposteurs-là. C'est insupportable cette histoire. Bon. Il reste un fond de colle. Je vais l'utiliser. Bah, en fait, il faut cliquer sur les commentaires et puis les bloquer, les signaler. Voilà, il n'y a pas d'autre solution. C'est une vraie galère cette histoire. Ça fait des semaines que ça dure sur mes lives. Hey, coucou Maryse, comment tu vas? C'est pareil, je t'ai envoyé un message, je crois, un petit SMS. Il faudra que tu penses à me répondre, s'il te plaît. Hop. Coller les languettes. Ça va, vous arrivez à suivre? Louise, tu t'en sors ma bichette? Hop. Voilà, je remets de la colle, hein, parce que du coup, ce que j'avais là, ça marche pas très bien. Et voilà. Oui, bah tu peux t'amuser, maman, parce qu'il y en a 25 par live, hein, donc t'es pas au bout. Ok, maintenant, je m'attaque à la déco. C'est ce qu'on aime le plus, hein, on est d'accord? C'est ce qu'on aime le plus. Ok, donc ça va être la décoration ici de l'entourage à l'avant et du côté. C'est pareil chez les autres. Bon, bah ça a un côté rassurant. Mais bon, c'est un petit peu pénible. Je prépare mon ruban. Hop. Ouais, c'est bizarre. Il y en a qui peuvent les bloquer, mais pas tous. Enfin, je prépare mon ruban s'il veut bien s'ouvrir. Allez, sois gentil, sois gentil. La blague. La fille, elle peut pas ouvrir son ruban. C'est quand même un truc de dingue. J'ai mis un petit bout de scotch, en fait, pour qu'il se balade pas. Oui, bah t'es pas la seule que ça énerve, hein, je te rassure. Moi, ça fait des semaines que ça dure. Des messages à rallonge, donc c'est un peu pénible. Voilà. Donc, votre ruban, vous vous coupez deux petits morceaux de ruban. Et en fait, on va en coller un au niveau donc, de la face avant de la boîte. D'accord? Et l'autre morceau, en fait, ce que j'ai fait sur ma première boîte, c'est que je l'ai collé
ici, donc à l'intérieur, et je vais venir coller ma boîte par-dessus. Comme ça, il y aura un double maintien du ruban. Ok, ça marche? C'est bon pour vous? Donc c'est parti, je prends mon ruban et je viens hop, le coller tout de suite avant bien sûr de venir mettre mon matage et mon papier design. Hop. Donc je vais à peu près centrer. Voilà. Un petit morceau de double face. Hop, voilà, tout simplement. Et je fais pareil donc pour l'intérieur. Je vais essayer de vider. Hop. Voilà, c'est à peu près droit. Et voilà. Ça va tout le monde? Je vous ai pas perdu? Vous êtes toujours avec moi? Est-ce que cette petite boîte vous plaît? N'hésitez pas à me remettre des petits cœurs, des petits smileys pour me dire si ça vous plaît. Hop. Tiens, du coup, avec quoi vous êtes en train de faire votre petite boîte? Delphine, ça va? Ah, je vois plein de petits cœurs et tout, c'est super, génial. Ça me fait du bien de voir que vous êtes là, ça me rassure. Parce qu'il y a des moments où il n'y a plus rien. Puis avec ces marabouts, là, ça complique vraiment les choses. Donc, ça y est, j'ai commencé à préparer ça. Donc, pour mon papier de matage, j'ai finalement décidé de prendre dans les petites cartes ce que je vous avais dit. Voilà. Donc ça va être mon papier de matage qui mesure 9,5 par 7. Ok, et vous avez toujours les mesures ici. Donc je vais le mettre ici. Je n'oublie pas bien sûr d'arrondir mes angles si je les fais. Oh, j'en ai plein qui font avec Halloween. Super. Il va y avoir des super petites boîtes pour les friandises. Ça va être sympa. Donc ça va être mon DSP. Et pareil, j'ai pris une autre petite carte, donc du petit lot. Ah ouais, il y a plein d'Halloween, trop sympa. Qui va être issu, que j'ai juste redécoupé sur quelques millimètres. Et ce morceau de papier, donc qui sera design pour vous, mesure 9 par 6,5. 9 par 6,5 ici. Et c'est pareil, je vais venir le coller ici. Mais je n'oublie pas encore une fois d'arrondir mes angles si je l'ai fait précédemment. Et tout simplement, je vais venir coller tout ça. Donc, j'assemble mon papier design et mon matage. En replay pour toi? Oui, t'inquiète pas, Rose Véronique, aucun problème. Tu le sais, hein, ils y sont, il n'y a pas de souci. Voilà, on a même l'impression que c'est le titre d'un livre, en fait. C'est assez sympa, je trouve. Je vais venir décoller bien sûr mon double face là. Voilà, et maintenant je peux tout coller. Ouais, elle est géniale cette perfo, hein. On s'en lasse pas, hein. Je suis assez d'accord, Titia. Ah oui, c'est vrai que tu l'avais commandé toi. Ouais, elle est vraiment top. Voilà, ça donne bien déjà, hein. C'est sympa, hein. Ensuite, pour finir, un petit morceau de papier ici de 9,5 par 1,9. Hop, pour ajouter une petite touche de déco. Je vais y arriver sur le côté. Voilà, donc 9,5 par 1,9. Voilà, une petite touche colorée sur la bande, sur la tranche. Voilà, maintenant que ça c'est fait, je vais pouvoir venir coller ici ma petite boîte à l'intérieur. Et du coup, je me dis que tiens, pourquoi pas, je pourrais mettre, il me semble que ça va tenir à peu de choses près, je vais utiliser, vous voyez, le petit embellissement autocollant, pouf, pour décorer ma petite boîte. Hop, olé. Je vais mettre juste une petite frise.
juste en bas. C'est le côté super pratique des embellissements autocollants. On n'a pas à s'agacer. Ça va tout seul. Hop, ça déborde un peu. Je vais juste couper là. Voilà, du coup, vous avez vu? C'est fait, non? Ça va être trop joli. Hop. Je vais faire l'autre côté. C'est trop pratique, ça, vraiment. Hop, ça va tout seul. Sur le papier craft, ça tient très bien. En plus, ça va le faire ressortir un petit peu. Voilà. Hop. Ça change tout. Il faut que je re-regarde, hein, car j'avais vraiment pas vu ça. Ah oui, bah si, si, attends, je vais te montrer. Alors, pain d'épices et de bonbons. Hop, c'est ici. Et en fait, c'est la page 9. Et regarde, en fait, ici, tu as, alors je vais essayer de zoomer encore plus. Hop, le numéro 3. Voilà, il est là. Et en fait, il s'appelle lot de cartes souvenirs et compagnie, pain d'épices et bonbons. À 13,25 €. Voilà. Et du coup, les embellissements que je viens de vous montrer, que je viens d'utiliser là, eh bien en fait, ils font partie de ce petit lot-là. Voilà, celui à 13,25, page 9 de votre mini-catalogue. Et il est vraiment super sympa. Du coup, vous voyez, avec un petit rien, une toute petite frise autocollante, ça change toute ma boîte. C'est top, hein? Et du coup, vous avez plein d'aussi. Tout ça, c'est autocollant. Voilà, vous savez où le trouver maintenant. Alors, zoom, maintenant je vais juste coller ma petite boîte et puis ça sera fini. On pourrait rajouter d'autres embellissements dessus, bien sûr. Hop. Alors, je vais couper parce que sinon j'ai peur d'arracher. Voilà. Je mets du double face. Ça tiendra mieux. Voilà, j'enlève cette partie-là que j'avais pour tenir mon ruban. Hop, ici c'est pareil et je viens coller ma petite boîte. Et voilà. On essaie de centrer au maximum, hein. Voilà, excusez-moi pour ma tête. Hop, voilà. Et voilà. Mais du coup, pour le fun, je vais rajouter un flocon à l'intérieur. Voilà. Alors, on a Bernard Walleran qui souhaite un bon anniversaire, mais je ne sais pas à qui, mais merci beaucoup. Juste un petit flocon là comme ça. Hop, ça y est, ça change tout. C'est trop beau. Et voilà. J'adore. C'est tout simple, hein? Est-ce que vous avez vu comme c'est simple? La petite frise sur le côté qui change tout. Yes, c'est top, hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez vu, avec trois fois rien, un tout petit projet, on peut s'éclater à faire des super trucs. Je trouve ça génial. Donc là, on a la version plus automnale, la version plus Noël. C'est super. Alors dites-moi, ça vous plaît? Vous aimez ce projet? Vous aimez les versions? Qu'est-ce que vous en pensez? Surtout, dites-moi, ça me fera plaisir de savoir. En tout cas, j'espère que vous aurez passé un bon moment. J'espère que le projet vous aura plu. J'espère que la découverte de ce matériel, par exemple, eh bien, ça vous aura fait plaisir. Ah oui, je connais bien le problème, Ticia. Ne pas oser utiliser les papiers. Oui, on est très très nombreuses dans ce cas-là, je te rassure. Ah, super Delphine. Merci Patricia.
Donc, vous n'oubliez pas, hein, quand vous aurez terminé votre projet, si vous avez envie de recevoir une de ces deux petites boîtes, eh bien, vous postez en commentaire votre création sous la vidéo du live. Vous avez jusqu'à jeudi soir pour le faire et je tirerai au sort une des personnes qui aura participé, d'accord? Et je lui enverrai donc la petite boîte de son choix et on fera ça chaque semaine si ça vous plaît pour que vous puissiez inspirer tout le monde. Coucou Jocelyne, merci beaucoup à toi. Sur la page Harmony Scrap dans les commentaires sous le live, Héloïse. Coucou Elsa, zut, on vient juste de finir, tu pourras voir le replay, ma belle. Ah Françoise, je suis ravie que vous ayez passé un bon moment. Sachez que je vous accueille avec plaisir chaque mercredi à 14h sur cette même page. Donc je serai ravie de vous retrouver la semaine prochaine surtout. Coucou Marianne, je t'avais pas vue. À bientôt, bon après-midi. J'ai mis quoi au dos? J'ai rien mis au dos. Hop, regarde, c'est ma petite boîte ici. J'ai collé une frise des embellissements sur le côté. Et voilà. Ah, de rien, Françoise, avec plaisir. Eh bien voilà, ce live se termine. J'espère que vous aurez passé un bon moment. N'oubliez pas d'aller jeter un petit coup d'œil sur le nouveau kit d'étiquette Papa Noël. Là, c'est pareil, vous allez voir, vous allez vous éclater pour faire les créations super vite. Voilà, un kit à 23 euros et les petits sachets à 8,50 €. Vous avez le lien dans la vidéo de ce live. Je ne sais pas si c'est au-dessus ou en dessous, mais vous l'avez, il n'y a pas de problème. Et puis, si vous avez envie de former un club pour les blends, c'est toujours possible. Les inscriptions sont toujours ouvertes, ainsi que pour le club des unis, bien sûr. Et surtout, n'oubliez pas d'être connecté dimanche, soit sur ma page Harmony Scrap ou de surveiller vos boîtes mail. Si vous êtes inscrite à mon blog ou à ma newsletter, vous recevrez les informations pour les inscriptions au kit calendrier de l'Avent. Voilà, vous avez toutes les infos. J'espère que vous avez passé un bon moment. En tout cas, moi, j'ai bien rigolé. C'était très sympa encore de vous retrouver. Ça fait un bien fou. Je vous embrasse toutes très, 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 très fort. Prenez bien soin de vous. Et puis, on se retrouve mercredi prochain pour un nouveau live. Ah, je vous partage une recette de sablé. Je vais y travailler, Muriel. Merci Patricia. Oui Camille, calendrier de l'Avent. Ça arrive dimanche et les VIP, vous avez déjà eu un aperçu. Donc vous pourrez vous inscrire dès dimanche. Merci beaucoup à toutes. Je vous embrasse très 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 fort. Passez un bon après-midi. Et puis surtout, partagez vos créations, partagez cette vidéo. Faites-vous plaisir, profitez. Et je vous dis à très bientôt. Ciao tout le monde!